Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Et notre dernière émission vous a à ce point intéressé que vous avez demandé que nous la rediffusions et nous la rediffusions. Merci de l'avoir suivi. Aujourd'hui, nous posons la question de savoir si vous savez que c'est nous le peuple, c'est vous le peuple qui êtes le patron. Est-ce que vous le savez? Est-ce que Boye Bakako Bakonzi Penza Yamboka et Zakande Bino, ceux qui Boye Bakayangote, Toebisaki Bino, que Eza Bino, parce que Naler Maponami Koya, Binonde Bokozwa, pouvoir Yakope sa autorité Nabatoyo Bakokambamboka. Et le Kotosa Kosa Laoyo, Lelo, par exemple, Eza pour la élection, Eza Koya nécessairement te. Eza réflexion pour lobby, même dans 5 ans, 10 ans. Toye bandenge nini, Togo banda kopona. O ma ponami, basenga kaka na bapaya. Eh, bon, ça l'élection, ça. Toza koulanda kaka bango depuis Kala. Mais est-ce que vraiment Togo kiko, Kotia Mayel et Nabiso et Longo, poto toye bandenge nini toroki ko banda ko sala mapona mina ndenge na biso bokomona kaka revolution yuti kaka na Congo yo ekei mboka mobimba bomoni makamweza ko leka na Mali a bosala ba election peuple lobi non biso d'abord ordre élection mais ba kuna na poto élection d'abord. Donc voilà un peu pourquoi nous faisons cette réflexion à votre intention, afin que les savants et les autres qui connaissent nos coutumes puissent nous donner la recette la meilleure de choisir nos dirigeants. Nous ne parlons pas des élections à venir ou des autres élections, mais nous sommes en train de demander qu'on s'y penche. Parce que si c'est l'extérieur qui demande que nous fassions des élections, c'est que l'intérêt se trouve dans son camp, alors que l'intérêt, c'est nous qui devons nous intéresser. J'espère qu'il n'y a pas confusion. Alors, j'ai avec moi, vous avez lu, M. Mbonigaba, j'ai également avec moi, M. l'abbé Poundou, M. Mbonigaba, la répétition est la mère des sciences, peut-être rappeler à nos téléspectateurs, effectivement, que c'est le peuple qui est le patron, en deux mots. Oui, merci. Je crois que nous avons posé la question, le peuple sait-il qu'il est le patron? Parce que nous sommes persuadés que s'il le savait, le Congo ne serait pas dans l'état où il est. Parce que le patron, c'est le propriétaire. Où avez-vous déjà vu un propriétaire aussi inconscient, aussi laxiste, qui laisse son patrimoine aller à volo sans rien faire? Ce n'est pas concevable. Un propriétaire conscient de l'être va commencer son premier réflexe lorsqu'il hérite d'un patrimoine, comme nous avons hérité du Congo en 60. C'est de dire, bon, maintenant c'est moi le propriétaire, jusqu'hier ce n'était pas moi. Eh bien, la première chose que je vais clairement montrer, c'est que celui qui n'a pas l'envergure, qui n'a pas le profil moral surtout, mais aussi naturellement académique, intellectuel, ne pourra jamais prétendre occuper les fonctions éminentes qu'exige la mise en place d'un État moderne. Et donc, mettre en place un critérium tellement strict que la plupart des gens qui aujourd'hui, depuis 60, défilent dans les couloirs ministériels ou ailleurs à la recherche de postes de commandement, de direction,
choisirait une autre voie, irait ailleurs, parce que ce serait tellement exigeant, tellement rigoureux, que d'eux-mêmes se diraient non, ça ne serait pas fait pour nous. Donc nous avons, dès le départ, au moment où nous avons hérité de ce pays, le 30 juin 60, montré que nous n'étions pas conscients d'être effectivement le propriétaire de ce pays. Merci. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? J'ai envie de dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question de conscience. Nous pouvons être conscients d'être patrons. Mais sommes-nous réellement patrons ? Voilà la vraie question. Sommes-nous réellement patrons ? Parce qu'on peut beau se dire « je suis patron », mais tu peux être patron de quelque chose qui, en réalité, ne t'appartient pas. Vous voyez ? Mais on te fait croire que tu es patron. En te donnant, soi-disant, l'indépendance en 60, on nous a fait croire, on t'a fait croire que tu es patron. Mais en réalité, tu n'es patron que de nom. Tu n'es patron que, je dirais, extérieur. Mais au fond, c'est pas toi qui es le patron. Oui. Et la vraie conquête, hein, la vraie conquête qui devrait être la nôtre, ce n'est pas tellement la conquête de la conscience d'être patron, savoir que nous sommes patrons, mais la vraie conquête, c'est d'être réellement patron. Depuis la colonisation, à l'époque donc de Léopold II, Léopold II, quand il s'est approprié le Congo, notre terre, la terre de nos ancêtres, n'est-ce pas ? C'est lui qui en est devenu le patron. Et en nous donnant l'indépendance en 60, il ne nous fait pas patron, il ne nous redonne pas notre titre de propriété, il ne dit pas que vous devenez les patrons. Non, il garde son patronat. Oui. Mais il nous fait croire que nous sommes patrons. Alors, le reste, c'est ce que nous vivons. C'est que au moment de choisir les dirigeants, ce ne sont pas nos critères qui comptent. Ce n'est pas notre critérium qui compte. Ce n'est pas le profil que nous éventuellement, nous allons, disons, fixer, qui va compter. C'est le profil qui vient du vrai patron. Donc, en réalité, la problématique ici, c'est de rompre avec le, disons, de reconquérir. Voilà. Hein, notre patronat, être réellement patron, parce que la réalité que nous vivons, c'est laquelle ? C'est qu'il y a le vrai patron et il y a le faux patron. Et le faux patron, c'est nous. Le vrai patron, c'est l'autre, n'est-ce pas ? Et il en est conscient, lui, n'est-ce pas ? Et il fait en sorte que nous croyions que nous sommes les vrais patrons, pendant que lui, il sait pertinemment bien que c'est lui qui est le vrai patron. Vous voyez ? Alors, on nous fait faire des élections. Mm-hmm. Hein, on nous fait faire des élections. De quelle manière ? Ils décident qui va être le dirigeant, le gérant. En fait, c'est ça. Qui va gérer son patrimoine ? Qui va gérer son territoire ? Qui va gérer son entreprise ? Si le Congo peut être considéré comme une entreprise qui appartient à ses maîtres, n'est-ce pas ? Eh bien, eux, ils ont déjà décidé qui va gérer. Et la preuve de cela, c'est que ceux qui cherchent à devenir gestionnaires ou gérants, n'est-ce pas, ils vont où avant les élections? Ils vont là où on leur donne le pouvoir. Un pouvoir qui n'en est d'ailleurs même pas un, n'est-ce pas? Un pouvoir de façade, n'est-ce pas? Eh bien, ils vont là-bas. Et nous voyons le défilé. Depuis des années, nous constatons ce défilé. 2006, on a vu le défilé. Des gens qui allaient aux États-Unis, qui allaient en France, qui allaient en Belgique, qui allaient en Angleterre, qui allaient en Allemagne, qui allaient au Canada, qui allaient là où se donne le pouvoir. N'est-ce pas ? Et moi, j'en ai retenu une leçon de par ce qui s'est passé en 2000, lorsque le musée a été... Moussa a été assassiné, n'est-ce pas ? Eh bien, c'était en 2000, hein ? 2001. Janvier 2001, Moussa est assassiné. Et rapidement, eh bien, on installe son fils Joseph, n'est-ce pas ? Et Joseph est investi, il fait, disons, prestation de serment, n'est-ce pas ? Et le lendemain,
Il va où? Aux États-Unis, en France, en Belgique. Il va chez les maîtres. Et quand je pose la question à des amis, ils me disent, mais José, toi tu n'as rien compris. Nous devrions d'abord aller nous nos lettres de créance, obtenir, nous rassurer, n'est-ce pas? Et leur donner des assurances. Parce que le pouvoir vient d'eux. Et ce n'est pas seulement pour le Congo. Je voudrais ici rappeler à la mémoire de nos compatriotes, de tous ceux qui nous suivent, ce qui s'est passé en Haïti à l'époque du père Aristide. Quand les Haïtiens ont élu le père Aristide a cru que le pouvoir venait du peuple. Le peuple est le patron, n'est-ce pas? Quelques temps après, eh bien, les Américains, les maîtres du monde, entre guillemets, n'est-ce pas? Eh bien, ils organisent un coup d'État. Raoul Folero prend le pouvoir, n'est-ce pas, en Haïti. Et où va Aristide? Aristide va en exil où? Aux États-Unis. Et pendant cet exil, on le formate, ou on le réformate, n'est-ce pas? De telle sorte qu'ils comprennent que le pouvoir ne vient pas du peuple. Le pouvoir vient des Américains. Et quelques temps après, Aristide rentre en Haïti, n'est-ce pas? Comme président, n'est-ce pas? Et automatiquement, son discours change. Lui qui était anti-impérialisme américain, eh bien, il loue les États-Unis, il remercie les Américains. Et alors, ça montre que, quelque part, nous aussi, au Congo, nous devons faire attention. Que le discours que nous tenons ici aujourd'hui, de dire le peuple est patron, il faut que ce patronat soit conquis. Que nous conquérions notre patronat, que nous reprenions notre entreprise, notre terre, et que nous en devenions réellement les propriétaires. Oui, après ce que vous venez de dire, je voulais juste ajouter quelque chose. Comment voulez-vous qu'on fasse autrement puisque le prix de tout ce que nous avons est fixé justement par ces gens-là? Alors, dans un premier temps, on leur a donné... tout ce pouvoir, on nous n'a pas été exigeants, mais il va falloir qu'à un certain moment, nous puissions tout mettre en œuvre afin que, un jour, nous puissions commencer à vendre ne serait-ce que ce que nous avons au juste prix. À ce moment-là, effectivement, nous nous sentirons responsables. Nous produisons, nous vendons à l'extérieur, mais le prix, c'est eux qui... Est-ce que vraiment c'est sérieux? Jusqu'à quand allons-nous supporter cet état de choses? Oui, je crois que nous avons la chance de, dès le départ, de fixer les choses à leur vrai niveau. Parce qu'effectivement, il fallait cette réaction de l'abbé José pour permettre aux téléspectateurs de comprendre que les choses sont plus compliquées qu'on ne le pense. Le vrai pouvoir, nous ne l'avons jamais eu. C'est ça qu'ils doivent savoir. En 1885, Léopold II, celui qui a été à la base de la conférence de Berlin, c'est pour légitimer son entreprise qu'il a convaincu les autres monarques européens pour qu'on organise cette conférence. Oui, et qu'on partage le gâteau. Et puisqu'on puisse, surtout autour du bassin du Congo. Le reste, c'était comme des appendices pour que, quand même, ça ait l'air de vraiment concerner toute l'Afrique. Alors, lui, d'ailleurs, n'a pas eu froid aux yeux de se proclamer le roi de l'État indépendant du Congo. Il a signé des petits accords avec des chefs coutumiers ici et là. Il dit, voilà, moi, c'est ça la source de mon pouvoir. Il a fait n'importe quoi. Voilà. Sur sa propriété. Sur sa propriété. Et en 1960, les Américains, lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, ils ont dit, d'accord, on va venir vous aider, tout ça, on va libérer l'Europe, mais il faut décoloniser. Parce que même c'est des anciennes colonies, ils n'étaient pas pour la colonisation. Donc l'achat des Nations Unies, parmi ces
première disposition, c'est ça, décoloniser. Bon, ils ont résisté un peu, mais en 60, c'était plus possible de continuer, sauf quelques poches ici et là. Mais effectivement, comme l'a dit M. Labbé, en 60, il n'y a pas eu passation de pouvoir. Réel, tout au moins. Non, il y a eu passation folklorique de pouvoir. On a dit, bon, maintenant, on ne va plus gérer directement. On vous laisse gérer, mais c'est nous qui fixons les orientations et tout ce qu'il y a à faire. Et dans tous les pays africains, de façon générale, les gens ont joué le jeu. Ici, ils ont rencontré une résistance à laquelle ils ne s'attendaient pas trop. Lumumba, il dit, bah, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne suis pas prêt à jouer le simple capitaine général ici. C'est vraiment, pour moi, c'est moi le patron. On a vu ce qui lui est arrivé. Donc, le vrai pouvoir n'a jamais quitté là où il a été, il est toujours. C'est pour ça que le défi que nous avons, c'est d'échanger cet homme-là, congolais, qui a été formaté pour jouer ces jeux-là, en un véritable citoyen. En faire un véritable citoyen qui va, lui, conscient de cela, conscient du fait que le vrai pouvoir, pour l'arracher à ceux qui l'ont aujourd'hui, il faut absolument monter une sorte d'armée des citoyens qui vont être tellement vigilants, tellement rigoureux, qu'ils ne laisseront passer aucun Congolais qui irait renforcer ce pouvoir-là. Alors qu'eux, ils sont dans la logique de récupérer le pouvoir pour les Congolais. Donc, le vrai défi que nous devons relever, et Dieu merci, tous les dirigeants congolais l'ont dit, mais ils ne l'ont jamais fait. Ils ont tous dit qu'il faut changer les mentalités des gens, etc. Parce que justement, il faut changer cette mentalité d'éternel assisté, qui est toujours en train de tendre la main. Alors qu'il a tout. Oui, en mentalité de propriétaire. Parce que le propriétaire ne peut pas se comporter comme nos frères, nous nous comportons ici. Le propriétaire va dire, bien, ok, ça va, maintenant... On commence par l'inventaire. On commence par l'inventaire. Et puis le reste va suivre. Et puis on montre à ceux-là qui ont coopéré avec nous, que d'accord pour la coopération, mais nous allons changer de contenu à cette coopération. Les règles du jeu. Et les règles du jeu. Donc, cette conquête-là du pouvoir réel doit être l'enjeu majeur du changement que nous devons proposer aux Congolais. Parce qu'aujourd'hui, ils croient qu'il suffit d'aller aux élections... À la française, d'ailleurs. À la française. Et l'a bien montré. C'est déjà fait avant. Le reste, c'est du folklore. Naturellement, on laisse 3, 4, 5 personnes montrer qu'ils sont en compétition. Mais pour eux, quel que soit celui qui gagne, de toute façon, il est déjà pour eux. Ce n'est pas leur ennemi, ce n'est pas leur adversaire. Et donc, l'essentiel, c'est que le pouvoir reste. D'accord. Donc, à cette étape, nous voulons susciter une réflexion. Je crois que le problème a été posé. Et nous demandons aux intellectuels, à ceux qui savent d'où nous venons, de se pencher sur ce problème, parce que nous risquons de demeurer d'éternels assistés. Que faire pour nous sortir de ces griffes? Ça ne va pas être facile. Mais si nous avons des réflexions qui tiennent la route, ben, nous y arriverons, M. Labbé. Je vais aller un peu plus loin qu'une réflexion. Ce n'est pas d'une simple réflexion dont nous avons besoin. Nous avons besoin de quelque chose de plus fort qu'une réflexion, une remise en question. Et le terme vient de Mabi Kakalanda. Tout à fait. Et c'était aux années des indépendances, dans les années 60, à peine qu'on entrait en indépendance, que notre compatriote Mabi Kakalanda a écrit ce livre, La remise en question, base de la décolonisation mentale. Et eux ont compris, ils ont combattu cela. Ils ont combattu cela, c'est évident.
Ils ne pouvaient pas laisser faire cela. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore comme au point de départ. Oui. Et donc, ce que je voudrais dire par rapport à la réflexion à laquelle tu as fait allusion, qu'il faut aller plus loin que cette réflexion et donc remettre en question l'ordre établi par ceux qui ont confisqué notre patronat, qui ont confisqué notre pouvoir et qui nous font vivre un semblant de pouvoir qui n'en est pas. Oui. Alors, cette remise en question signifie couper le cordon ombilical. On ne peut pas faire autrement. Tant que nous n'avons pas vivre en autarcie. Non, pas nécessairement vivre en autarcie. Nous avons un modèle historique, ce qui s'est passé avec la Chine. La Chine, effectivement, a coupé le cordon ombilical à un moment donné. Et la Chine s'est enfermée, d'une certaine manière, n'est-ce pas ? Enfermée, pas enfermée. Parce que quelque part, eh bien, nous savons par l'histoire qu'ils allaient quand même là-bas pour voir ce qui se passe et ramener chez eux et donner une autre forme à ce qu'ils ont vu là-bas, donner une forme originale qui serait leur forme à eux, n'est-ce pas? Et quand ils ouvrent leur porte et fenêtre pour entrer dans le monde moderne, eh bien, ils bouleversent tout. Ils bouleversent tout. Et ils surprennent tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que nous n'avons pas à copier ce qui s'est passé avec la Chine, mais nous avons à nous en inspirer. Et je crois que cette inspiration n'aura pas comme base seulement ce qui s'est passé ailleurs, en Chine, mais elle aura comme base notre propre tradition. Nos propres traditions. Monsieur l'abbé, regardez, vous traduisez l'angot mouké, parce que... Tozan a beaucoup hésité. Beaucoup n'ezali et pas ya papaya. Beaucoup n'ezali pas ba mindele. Beaucoup n'ezali pas ba américain et pas ba belge et pas ba français. Yangwana tomo nako tango maponami et belemi et bien baye balingi te ba joye bonga ya bokonzi bakendaka wapi? Bakendaka na poto. Bakendaka wapi? Na États-Unis. Bakendaka wapi na France, na Belgique, na Allemagne, na Bamboka wana kuna et pas kani bakendeke kozwa bokonzi. Petango biso to kosa ami mais maponami wana ikobima lokola ndenge balobaka liseki théâtre alors toza na biso kosakana toza okoto ya bana mike kasi bokonzi a solo. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Mais si on fait ça, on va faire ça. Si on fait ça, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Il y a un peu de temps à côté. Pour que je suis venu à la salle, je vais vous dire, ma belle est venue à Kita. Mais si tu es venu à la diamant est venu à l'OTAN. Tu es venu à la taloboye. Coltan est venu à la taloboye. Cuivre na biso to kote ka wana talo boete moto yo akoya ko somba to akoya ko zwa yende moto akopesa talo akoba ngai na ye ko somba cuivre na bino me talo yo ngai na pesi yango yo bino bato bozo teka bosenye ko ndima talo oyo mosombi aye ko pesa bino ezalaka te ezalaka te yango na kanisi na emission ndenge tozo sala boye. Et ça, pour na kofungola congolais miso a monopolele ti azana yena bokonzi moko te bokonzi bazwa ya moto kala asala pe makasi po azong azwa bokonzi na ye o babotola ye uto kala na Leopold II a botola bokonzi na ba na baye ba imboka pe etango ba pesi biso lipanda et bien lipanda na ba pesi biso ya lokuta ya lokuta pa matin moto ya mono ki polele teza lipanda lokuta ba sali nini ba bomie komo na ye Patrice Emery Lumumba a mona ki polele te lipanda wana o bazo pesa biso lipanda ba pesa kate lipanda bazwa kango bazwa kango ne tumba. Très bien, yango wana ozana raison parce que eza histoire moko mosusu na ka mokonzi ona pembeni makambo ile kaki na
dans le monde. Directeur de cabinet, Bossala, lettre de félicitations à Moutou Songolo. Parce que par élection, comment on appelle ça encore? Ce résultat après demain. Lobby à lobby comment? Mais où est-ce que vous avez la tine de la champagne, les années? J'ai dit non. Donc ça illustre, frère. Et puis, mon conseil m'a dit que à lobby Mingi, Namotoyo, journaliste, c'est le premier batté. Et puis, mon conseil m'a dit ok. Très bien. Bon. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un drame. Il ne faut pas en rire. Il faut le déplorer et tout mettre en œuvre pour vraiment que, M. Labbé a dit, il ne faut pas parler de réflexion, mais pourquoi pas, que Moutounio soa kanissa, ndengenini, tokoki osala po, to longolanzo tona bozoba, to longolanzo tona na obscurité. N'est-ce pas? Et ça, solo, parce que, oyebi, babouke belé, komami. France Fanon à l'Obakini. France Fanon à l'Obi. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo ici. Ça veut dire que il y a déjà que Makamundenge Zokende. Non, mais ça vraiment. Yangote. Parce que. Oyebi que le président est à Gabon. Il y a le Bakite, il y a Aboy indépendance. Aboy, non, Gaï. Gaï n'a pas. Accueilli qu'au bon de la générale de Gaulle, à ça l'exception, Gabon et Tikala, département d'outre-mer. Voilà. Le Colaba Martinique, le Colaba Nini, tout ça. De Gaulle a dit, mais c'est pas possible. Partout, Kuna Bangonion, Bazoui, indépendance. Yo, quelqu'un de Boy indépendance. Et puis Nakanis va expliquer que Kozaka a indépendance. La preuve, c'est Goutou, la boy, Bapinirie. Voilà. Donc, en 60 déjà, ça, analyse stratégique, on a dit que libération effective et Afrique, ce qui est bandit dans le Congo, vous allez péter. Parce que Afrique, le Congo est en position moko. Géostratégique dans l'Afrique, Afrique, oyo ekoiko za na mboka mususu te. Awa bazali dialogue na Sand City. Bande kona biso bazali kuna bango bazali lokola bazali na temps ya éternité mon bibona ko sa makamo na bango balingaki va prolonger. Sénégalais mon bango le mais bino bozo sakana on dirait bozo sakana. Awa bozo salao exemple na bino mon côté. Afrique mobimbe zo talabino. Ezo zelande signal awa. 35 États africains. Nde eza directement affecté na makambezo le kana Congo. 35. C'est-à-dire 2/3. Sur 54, c'est à peu près 2/3. Donc, mouvement et libération et Afrique et Kouta awa. Je sais quand tu as dit que Bayambaka est dans mon conseil, Yakala, à l'obi, une façon imaginée, c'est quand le courant d'Inga illuminera, éclairera l'Afrique, que l'Afrique enfin se développera. Cette phrase, à mon micro, à moi. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, Bissouawa. Responsabilité mon aîné, ma casse. Et talika kabiso ba congolais ou bien ba né Congo ou bien ba nani, biso toza toujours na ba idée biso ba né Congo, biso ba kasa. Si ba biso ba katangé. Biso ba katangé. C'est moi-même qui le dis. Ba swahili ou des choses comme ça. Non. Biso toza na responsabilité mon aîné eleki tire na biso déjà ya Congo. Donc, Tobo, c'est un macamonion sur le conflit interne dans Katia Congo. Il faut que tous à la musique par rapport à l'enjeu et à Mokili à l'élo.
problème toza nango mon cher problème toza nango ezali que peut-être kaka formatage au basala ki biso ce qui aujourd'hui moi était ni à pouvoir au kanisi que yayo et ce qui au komi ce qui ndenge nini donc mutula mutu azako wela était ni à pouvoir mais c'est parce que nous ignorons ceux qui font ça ignorent que nous avons des devoirs vis-à-vis de tout politique. Si nous, nous, parce que nous étions au courant de cela, nous étions conscients de cela, il y a des gens qui se diraient, ah, ces devoirs-là, moi je ne me présente pas. Mais même les gens qui se présentent, tout ça, parce que Toye, véritablement, vocation, il y a Afrique, et Zali, Nin, monsieur l'abbé. On peut rentrer en français encore. Ce qui est important dans tout ce que j'entends ici, c'est le fait que tant que nous, Congolais, nous ne sommes pas unis autour de cette prise de conscience que nous sommes la gâchette à partir de laquelle la révolution africaine va s'opérer, eh bien, tant que nous ne sommes pas unis autour de cette cause-là, nous ne serons rien. Et nous ne ferons rien. Et on en répondra. On en répondra devant l'histoire. Devant l'histoire. Oui. Et donc, j'aimerais vraiment insister sur cette nécessité de nous réconcilier entre nous, Congolais, de quitter nos petits horizons ethno-tribaux, n'est-ce pas, où je suis Mungala, je suis Mukongo, je suis Muswahili, je suis et je ne travaille que pour que nous les Bangala, nous ayons le pouvoir, que nous les Bakongo, nous ayons le pouvoir, que nous les Swahili, que nous les Baluba, nous ayons le pouvoir. Non, on doit sortir de là. La première révolution mentale doit se faire à ce niveau-là. De mentalité. Changement de mentalité à Liboso, Liboso et Zali, Kolongo, la mentalité Wanaya, Kozala, Bobele Kotingama, na Ekolo, Ngaï Naza, Ekolo Boe, Nganazali, Ekolo Boe. Monsieur l'abbé, est-ce que la raison n'est-elle pas le fait que Bimbo Kanabisote, parce que ce qui toye Bayango Penza, Oroti Kolinga, Kozala Kaka, na nani na tribu na yo, na nani na yo te. Parce que Eza Mboka Moko, Oyo Soki Otamboli, Okolinga Yango, Nakanisi Biso Tolinga Kamboka Te. Ah, et si Kanga Nga la commande Yango, Tango Yo Lobi, Toibi Mboka Nabiso Te, Nga Nga Kina Loba, Binga Kamboka Nabiso Te. Parce que Toibi Yango Te. Toibi Yango Te, Tolinga Kayango Te. Alors, Tolinga Kanini, Tolinga Kekolo. Nga Batuninga, Yose Kolo Nini, Nabinaza Congolais. Mais t'es écolo na yo nini na Congolais. Oui, mais Congolais, tu yébi, mais écolo na yo. Na Congolais. Ponini, naza ko insiste, na Congolais. Pambate, yoza Congolais, yaza Congolais, nga naza Congolais, oyezo sangi sabiso, ezali Congo. Nga nazali Mokongo, yoza Mungala, yoza Muswahili, owana, ezali lokola Bokeseni. Kasi Bokeseni wana, tuko tiango esika moko, kote, epe sabiso nguya. Makasi. Vwe? Oyo yo, ozana ngo, antanke Mokongo, oyo yazana ngo, antanke Muswahili, o nga nazana ngo, antanke Mungala, to sangisi ango, pambate, na yo Mokongo, na yo Muswahili, na ngay Mungala, to zaiso moto moko, Kongole. Alors, ce qui est bien, c'est que le cannabis est au boso. Na ina kota na likambo yo na bozindo penza. Tokete. Ce qui est le yo, ba mindele, bazo sakana na biso. Ezali po, bazali pe ko kota na mwa lisano wana. Voilà. Ya bokabwani na biso na bikolo. Ba koye pa ina yo mokongo wa bi, yo za moto na biso. Ba oleke pa ina ye kuna mosweli ba bi, yo za moto. Ba koye pa na nga mungala ba bi, yo za moto na biso. Biso misato, troyo kanate. Po, moko moko na biso, ako kanisate, yende moto ya bamindele. Alors, na tango na, mitu na biso etutani. Tango mitu na biso etutani, nene ako longa. Bobele mondele, moto ako longa. Voilà. Biso, tozali, ba perdant. Alors, yana zolo baboe, na mboka na biso yo. Soki lelo, tolo bango, siko, na bimisa mo penza polele, polele. Token. Lelo yo.
motoloko la président Nabiso Félix, motoloko la ancien président Nabiso Joseph, motoloko la candidat Oyazalaki candidat à la présidence Martin Fayulu, motoloko la Moïse Katumbi, Oyo Azapena Posaya Kozwa Ebonga, motoloko la Nani Jean-Pierre Bemba, motoloko la Adolphe Muzito. Natengaka bowana motoba wana. Soki lelo yo bazuli kanisi ya ko vande sika moko. Ya ko ba te to ko vande suite poto kabula mokonzi. Bobo ko njako beza na mote. Mais to ko vande po tozungi sabondeko. Tozungi sabondeko conscience que tozaba congolais pe Congo e ko kabwana ata mokolo moko te. Po soki Congo e kabwana ata mokolo moko te to komi makasi. Lelo yo mundela koye pa ya président Félix Olbanaye yoza moto na biso America koye koloba yoza moto na biso memba ko kende pe pa ya Martin Fayulu yo poza moto na biso mm-hmm. Eh bien tango bangoni bale mitu et tutani eh bien bonde ko kufi eh bien Congo pe e kufi désordre koti na mboka désordre koti na mboka ngana zali ko lula pe ko lota mokolo oyo bato mi mutoba ongana utuko tangawa ba vande sika moko ba zungisi bondeko ba meli ntsamba na kopo moko pona koloba te a partir lo eh bien moto ko kabula biso asante a partir ya lelo bon bokonzi to reconquérir bokonzi na biso ce qui lelo ezali yo modeste moto okoyangela biso to ko pesa yo okokende kuluka ngo lisusu te epai ya baamerikain epai ya bafrançais epai ya babelge biso nde bato tokopesa yo peuple na biso nde bato bakopesa yo mpe soki bapesi yo biso banso tondimi yango tokotia maboko mpo te mboka ekende liboso opposition ekozala esu te ndenge oyo ezali sikoyo pamba te opposition ndenge eza sikoyo ezali opposition fabrike ailleurs ba fabricant na ba mindele et tout ça pour dire pour ba tout ça biso mitou et puis ceux qui boyoka ni koti bitou et sili penza parce que ngana lo rabiko nyoso ba yo ba ninga na biso ba lo baka ngaka biso ceux qui penza ba ninga biso mais les bitumba wana ezo sala 20 ans exacte moi exacte tu me exacte modeste bonigeba mais oyebi que loko yo tikoloba que monsieur l'avait pas à lobby visé pour régner et outi na code noir ben voilà to ça ba code noir code noir et développer ba technique ya ko diviser biso na ndenge moko ya ko sakanate oyebi que et me pousser tellement loin que batou même bazar même origine terme va diviser bango frère donc petit morceau kuna na Kivu kuku okokuta mfulero bashi bazana deux territoires pas pour bien gérer l'espace non pour que ce groupe mon côté Barrega, même chose. Même ma petit territoire, Okuta, oh, bino moza batu ya nord, biso batu ya sud, donc, il faut qu'on privilégie ce qu'on mouti ya côté boy. Donc, et indi biso tina niveau wana, entre même ou ma tribu na biso traditionnel, et comme il va fragiliser, angwe comme ma petit morceau, ma sous-groupe na kati. Voilà. Donc logique on a divisé biso pour mieux nous dominer. Il faut tout casser toujours. Donc biso il faut tout casser yango. Ce qui to comprendre que yango nde ezo zone za biso sima. Alors to continuer à coller la omboka boye mboka boye mais parce que biso moto zo jouer jeune na bango. Jeune na bango. Voilà pourquoi oui monsieur là-bas tu koloba. Et quoi ça un message moko très puissant. Il y a que là qui ça que ma clivage ou ma division coûte même idéologie dans la caté bandeko na bamboka mususu moko akolanga na za communiste yo za communiste était donc to koyo kanaté et puis attends mais kiliango ceux qui a commis na pouvoir azaki communiste et comme mususu dégue mususu communisme s'il est comme mais comment
Et comme Allemagne, c'est terrible. Belgique, Konini, pour bah, clivage communiste, socialiste et tout ça, et ça bah, clivage ouyo et Kotaka na Bokonzi ya likolo te. Bokonzi ya ya na likolo pona ko kamamboka. Tango Mutrokola Mitterrand, Mutrokola Sarkozy, Mutrokola Hollande a commis na pouvoir, Mutrokola Chirac a commis na pouvoir, azali susu et à gauche to ya droite était a commis ya France. Bah intérêt à France ndé a ko sunga yango pe. D'ailleurs, mais na bango monsieur Labbé za za munene par exemple bango baza président na pratique ya bloba na langue na biso baloba ka soki boningi ko yoka na bien bo bo lia malamu okomona mutu ya gauche ya ngana za mutu ya droite si dossier moko kende kende ko si wana ye pe azui moi quelque chose et tout oyo ka ni koti et tout ça parce que ezali France voilà so vraiment émission à l'élo ba yo kité Mawa. Yondo au tangina ba kombo ya bato. Bato mususu baza kozela au tanga bango au tangite. Italien monsieur là. Etangi kombo ya bato na. Oh mais je blague. C'est le mot exprès. Po na kolobate boyo bazali ko lula ko zwa bokonzi. Po na koyangela mboka na biso basengeli ba yokana. Basengeli ba yokana. Kutu na kanisi tango tozo lobawa. Kanisi boye ya papa. Papa François Zoya. Bongo boye bini kanisi nini oyo batie li boso penza na boye ya papa thème ya visite nae. Réconcilions-nous dans le Christ. Pour une réconciliation dans le Christ, en Jésus-Christ. Alors, le mot clé, c'est d'abord réconcilions-nous. Papa Zoya na réconciliation il y a bisoba congolais pas mais ceux qui bisoba congolais tous se réconcilier tous Afrique ou Kenya liboso pas mais les loyo ba congolais tous se réconcilier biso na biso tous se réconcilier na boyebite mboko yo ezali a bisobanso et bien lobby réconciliation ko leka na kati Afrika ba congolais ba ko se réconcilier na ba ba ko se réconcilier na ba Burundi na ba Uganda na ba Angolais na ba toko se réconcilier na Afrika mais à partir du moment où biso na biso ba africain toko se réconcilier ba anglo-saxon ba ko saka na biso te bo baza ko utiliser Kagame bo baza ko utiliser Museveni bo baza ko utiliser ba koko kalisu te pamba te to komise moto moko biso ba africain o yezo le kana Mali était à biso ba malien ba comprendre va comprendre que il faut au kata motolu to kata singa motolu oyo et kangisi biso na benga mère patrie mère patrie to kata singa motolu poto bota mapenza to bima na mokili to zala autonome voyez des hommes nouveaux ba malien ba comprendre ngo ya mwana bomoni ba ndeko bazola na biso ba yeba makambo ezole kana Mali ezali révolution africaine. Bamba te soyi totali malamu. Oye zoli kana bamboka mosusu wana ezanini. Ba français tango ba comprendre que oye zoli kana grave. Ba kotika te bamboka mosusu ba sala oye zo sala mana Mali. Alors ba osa nini? Ba ko ba ko sala ma ba coup d'état na bango na ba soda o ba ngomoko ba poni ba lengeli et puis tango bokoyoka o coup d'état sala mi kuna o coup d'état sala mi boy te ya lokuta. Les coups d'État préparés, organisés, na ba français. Tandis que au Mali, ba français ba zone dimangote, pas ba tes à solo. Ceux qui ont dit à solo, directement. Parce que pour comment comprendre, comment comprendre par exemple que ba djihadiste wana ba si cagnos ba Mozambique ba. Est-ce que vraiment tout le monde va s'acquatiser ma camouana ba outi wapi et puis baza ukende wapi. Ma commune est si cannabiso, ça c'est grave. C'est ça. Donc, toi, il y a que ceux qui tout ça, ils disent boquette, tout ça d'abord fragile, tout ça la fragile, et puis tout côté, tout côté de et si ca attend mon côté. Tout ça, ceux qui ont la Syrie, ils pouvoir, n'a qu'au côté de la France. France, ils en bougent.
Image, il y a ma cambo. Image, on a une joie. Mingi basi ba mona yango na ba réseaux sociaux et tout et tout et ça image ya mbisi ya monene aza kolia ba mbisi ya mike tango ba mbisi ya mike baza séparé ba kabwani mais moto na moto ni sika na e mbisi ya monene na osanini aye alié yo aye alié kuna alié kuna alié kuna moko mususu mbisi moka moke ajuli kanisi ndinga baza kolia ba mona mbisi ya monene mais to ko sila alobi nini abi bambisi ya mike boya to sangana bambisi ya mike basangani bambisi ya batata liboso bambisi ya ba mama na sima bambisi ya bana na kati batata na ba mama ba encadrer bana bakomi liboke moko bakomi mbisi ya monene ya monene tango mbisi ya monene azo ya po alia bango akutani na kabakate ya mbisi oyo elekie esaline mbisi ya monene tango amoni boye asakimi akimi akimi eh bien eza image pona kolakisa te oyo biso to senge ko sala lelo eza lokwa ba mbisi ya mike to sangane to komi mbisi ya monene to komi na nguya koleka mbisi ya monene oyo to kanisa le maître du monde eh bien bango bazalo kwa mbisi ya monene biso toza ko bambisi ya mike alors bambisi ya mike bazo lia biso États-Unis ko lia biso ba banani ba France ba ko lia biso et tout ça ba Belgique ba ko lia biso et bien mokolo o ba ko monote to sangani to komi liboke to moko to komi na nguya ko leka bango ba ko kima c'est vrai Modeste Bonigaba ben je ici émission côté abattu. Parce que surtout que moi moulaï par rapport à mais parce que Tolobi Benza Makambo il fallait Toloba les lots Toza Naboumbu Kobon Soussouté Toza Naboumbu Tazo Mabiso bon toke mais toi yé bake Tozo Kende. Mais dans notre bandit, libération n'a plus sauté. Bazak Ozoa, pour le Baki, tout ça va pas. En fait, Bokonziango, Bazak, Bali, Bazana, Yango, Bangonde. Il faut te récupérer Bokonziango, Abisso. Tout ça, la liboke, et tout. Voilà. Donc, il faut, Bisso, peuple, toye bakes, qui patronne Abisso. Et ça, il y a Pakoti, pour le moment. Il y a Lelo, et ça, il y a Lokuta, et ça, il y a Blague, et ça, il y a Pakoti. Ce qui est le seul qui patron et abisso, il faut que Banzela oyoko ti abisso makasi oyo eko bangi sa bande kon abisso bazo linga koleka na sima ya porte ke nako luka bokozi libanda ba ke nzela wa nezali su madame te parce que oyebi pardon di na kati maloba ce qui ba ke esika boye Trouver un compromis. Voilà. Monsieur l'abbé, Silissa. Pour Silissa Bobena, Lilo Valioko, tous les gens qui ont été en train de se faire, tous les gens qui ont été en train de se faire, tous les gens qui ont été en train de se faire, mais il y a solo. Et ça là, na niveau culturel, et ça na niveau économique, et ça na niveau politique, tout comme à Penza, solo solo, bah, les panda Penza, tout ça indépendant. Et indépendant soit na, y a mon étumba mon aîné. Où est Tikali? Tout le bal, lobby tout qui na élection, 2023 élection, ma bezate. Mais tout qui na élection, na les panda té, tout qui na élection, na souveraineté té.
bongo ekobote na biso nini bobele kaka mindondo bobele kaka bitumba bobele kaka bokabwani bobele kaka bowelani et tout ça mboka ekokende liboso te ekozonga sima donc to sangana to koma moto bongo to pesa na loboko to sima na biso pote munguna alunga biso lisusu te. Un mot de la fin. Donc je crois juste pour dire que je ne sais pas si cette va être la dernière de cette série, de la série. On va voir comment les téléspectateurs vont réagir, mais je crois que là nous avons vraiment touché là où il fallait pour que il n'y ait plus demain quelqu'un qui dise non mais moi je ne savais pas. Maintenant vous êtes censé savoir que jusqu'ici, on était dans la parodie, dans les simulacres, dans des choses tout à fait superficielles. Si nous voulons effectivement reconquérir, il faut dire conquérir parce qu'on ne l'a jamais eu, en tant que Congo, le Congo tel qu'il est dans ses frontières actuelles, c'est maintenant qu'il faut conquérir cette indépendance, cette souveraineté, parce que nous sommes capables d'y arriver, alors pourquoi attendre? Oui, cette émission va se terminer sur cette note. Et je pense que certains nous qualifient de... En communication, on dit vos faiblesses, il faut en faire... Des forces. Des forces. Bisso, la kanisi baninga na bisso, bakoma na ba place, balakisi bisso que égoïsme ezali na mboka. Touti kamakambo égoïsme wana. Parce que nous le faisons dans quel objectif? Pas dans la grandeur du Congo, dans notre grandeur. Mais nous, nous sommes qui? Demain, nous mourrons. Mais on laissera quoi à nos enfants? Soyons fiers de ce pays que Dieu nous a donné. Vous savez, dans l'année 72, mais Zahirois, Zaki Moutouté, tu as un potentiel nyonso pour vraiment révolution et en Afrique à développer. Et nous sommes, c'est pas par hasard que nous sommes au cœur de l'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'espère que vous nous avez suivis religieusement. C'est pourquoi d'ailleurs je vous remercie. Bonsoir. Et dans deux semaines, un autre numéro, à moins que vous demandiez que nous puissions rediffuser comme vous l'avez demandé la fois dernière. Merci beaucoup.